Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Nous allons capter, inshallah, pour le concert de Beyoncé à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Beyoncé va donner un concert le 23 janvier 2023 pour l'inauguration de l'hôtel Atlantis Royal. Alors, nous avons regardé une vidéo de présentation de l'hôtel. C'est un hôtel qui a été construit par les autorités des Émirats, donc par le sultan, le roi, le président, le premier ministre. C'est un hôtel du futur. Et ils ont fait un hôtel pour qu'il n'y ait pas pareil dans le monde, au niveau de la luxure, au niveau de l'espace. Et c'est un hôtel qui est sur la mer et de l'autre côté, ça donne sur la ville. Un hôtel où il y a presque 800 chambres d'hôtel et une autre moitié qui est des appartements. Alors, c'est le luxe dans tous les détails. Par exemple, il y a des jets d'eau. Quand ils ont appelé la société pour faire les jets d'eau, ils ont dit, nous voulons quelque chose qui n'existe pas dans le monde, que vous n'avez jamais fait. En tout cas, les moyens sont quasiment illimités. Ils ont fait des jets d'eau mélangés avec du feu. Voilà, ça c'est juste pour gagner le plaisir des yeux. Et donc, côté appartement, par exemple, l'appartement le plus cher est un appartement sur 4 étages où il y a 2 piscines et qui coûte 118 millions de dollars pour acheter un appartement. Et donc, l'inauguration est prévue le 23 janvier et pour cela, ils ont invité Beyoncé hein, pour un concert d'une heure. Pour le Beyoncé, ça fait 4 ans qu'elle ne s'est pas produite. Elle fait juste des disques. Et ils l'ont convaincu avec 230 millions de dollars pour une heure de concert. Donc, par exemple, Cristiano Ronaldo, qui travaille maintenant, qui joue maintenant en Arabie Saoudite, est payé 200 millions de dollars l'année. Donc, une heure de Beyoncé rapporte plus qu'une année de Cristiano Ronaldo. Si vous avez un salaire de 1000 euros par mois, donc il vous faudra 1000 années pour atteindre cet argent. Et si vous gagnez 100 dollars par mois, il vous faudra 10 000 ans pour gagner ce que Beyoncé va gagner en une heure. Alors, il n'y a pas de billets, pas besoin d'aller chercher pour acheter vos places pour ce concert, car il n'y a que des invitations. Donc, ce sont des VIP, des VVIP, des très importantes et riches personnes qui sont invitées, bien entendu, dans l'espoir de vendre un maximum d'appartes et de chambres et de faire la promotion de cet hôtel. Donc nous allons capter, Inch'Allah, pour tout ça, qu'Allah Ta'ala nous aide. Des fois, il y a des musulmans qui disent qu'on a besoin de l'argent pour faire avancer l'islam, mais vous voyez qu'Allah Ta'ala a donné tellement d'argent aux musulmans, masha'Allah. Donc on va capter pour ça, on va capter pour tous les VIP, VVIP qui sont invités et dont les djinns se réjouissent déjà de tous les plaisirs qu'ils espèrent trouver là-bas, de tout le luxe et les fréquentations et les connaissances qu'ils vont faire, bien sûr pour Beyoncé et son influence à travers le monde, et aussi on va profiter de capter pour Cristiano Ronaldo qui s'est installé en Arabie Saoudite. Nous prions Allah que ce soit une cause pour qu'il devienne musulman et que ce soit pas au contraire les Saoudiens qui vont se convertir à la religion du football. Qu'Allah nous aide. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله حرمت عليكم الميتة والدم وترى. Bonjour. Vous venez de Dubaï des Émirats, de l'hôtel? Et que faites-vous dans cet hôtel de luxe, de super luxe? On était avec les personnes du moins qui étaient là-bas. Il y a ceux qui ont construit, il y a ceux qui ont participé à tout ça. Il y a plusieurs humains. Donc vous êtes juste avec les individus, pas avec le projet? Avec les individus qui ont quelque chose derrière la tête. Hein. Oui, expliquez-nous. Ben, ceux qui veulent gagner l'argent, ceux qui veulent être reconnus, reconnus, ceux qui veulent avoir une vie normale. Pas comme la vôtre. Oui, ils veulent avoir une vie de luxe. Voilà. Oui. Et quel est votre rôle avec tous ces gens? Faire en sorte qu'ils sont bien accueillis, acceptés, qu'on voit le travail qu'ils font, même au niveau des degrés, que ce soit plus élevé que ce qu'ils pensent, en tout cas, et qu'on les met en avant. Mais c'est vous qui vous ont demandé, c'est eux qui vous ont demandé de faire ça? Il y en a qui ont été voir, pas tous, mais beaucoup ont été voir. Il n'a pas été construit par d'autres personnes. Oui, il y a oui, tout un monde derrière tout ça. D'accord. Donc beaucoup ont fait des sacrifices, des rituels, des gris-gris pour que ça marche. Oui. D'accord. Allez, bonne nouvelle pour vous. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Non, vous n'êtes pas dans le luxe, vous êtes dans la simplicité. Vous n'êtes pas non plus dans la misère. Pour moi, c'est pas de la simplicité. Ça penche vers la misère. D'accord, donc vous êtes plutôt pas côté. D'accord, mais nous n'allons pas vous retenir longtemps, finissons rapidement. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة. Comment? Je réponds à sa question sur sa tête. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont beaucoup d'ambition. Ils veulent réussir. Ils veulent réussir. Ils veulent être mondialement dans les premiers. C'est pas forcément que la sorcellerie, c'est pas forcément. Il y a quand même la descente aussi prise qui pose à certaines choses. Ah, n'est-ce pas? Pour la débauche, par exemple, pour qu'il se passe des choses. Les pauvres ne vont pas venir. Oui, les pauvres ne vont les pas venir. Les simples ne vont pas venir, comme tu dis. Oui. Mais ceux qui ont du pognon, oui. des sous pour pouvoir s'en nourrir en l'air, avoir une belle vie, faire ses projets tranquilles, oui. C'est un bon endroit. D'accord. Chacun a ses idées. Et donc, chacun est en train déjà de réfléchir. De faire un programme de débauche. Il y en a déjà aussi qui se disent, je vais te racheter. Bien sûr. حرمت Bien sûr. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ومقبرات من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى ال... Ma question est pourquoi pas? Pourquoi pas acheter? Non, pourquoi pas cette vie de luxe ou cette vie où il y a tout ce qu'on peut avoir, tout ce que les musulmans interdisent
On n'en veut pas d'interdiction. On veut avoir le champ libre. Les humains et les djinns aiment le champ libre. Alors pourquoi se mettre des bâtons dans les roues? Je t'explique. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. Non, ce n'est pas la richesse, c'est les péchés. كلا إن الإنسان لا يطغى. Je sais que moi j'étais avec un musulman. Oui. Et que le musulman a dit que le prophète Suleyman était le plus riche. Oui. Et pourtant, il allait rentrer au paradis. Ça, c'est vrai. Donc, il n'y a pas de mal de vouloir être riche et de vouloir être pauvre comme toi. Non. Toi, tu as choisi la pauvreté. D'accord. Tu aurais pu devenir quelqu'un. J'ai vu ton cerveau, ce qu'il y a. Mm-hmm. Tu aurais pu devenir quelqu'un, tu aurais pu avoir beaucoup d'argent. Oui. Avec ce que tu peux faire. Oui. Mais tu as décidé cette vie misérable. Oui. Mais ton créateur, en fait, il te l'a pas imposé, c'est toi qui l'as voulu. C'est ça. Pourquoi tu penses aller au paradis avant Suleyman? Non, je ne pense pas aller avant Suleyman ni avant n'importe quel prophète. Ben alors, pourquoi te priver d'être riche quand tu peux être riche? Est-ce que ça ne va pas t'emmener en enfer? Parce que j'aime ce que je fais. Leur époque et votre époque n'est pas la même déjà. C'est compliqué de suivre, n'est-ce pas, les prophètes? Ah, c'est toujours possible, c'est toujours possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Oui, mais tu peux être riche et puis faire tes invocations toute mais la journée. Toi, tu peux être musulman et tu peux être riche. Moi, je veux pas être pauvre. Et non. Et je veux des femmes. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Oui, dis-moi. C'est la pauvreté qui fait en sorte que les gens trouvent une route de, une porte de secours, sortir et après, ils se lancent parce qu'ils ont une marque de leur pauvreté. Peut-être s'il n'y avait pas de pauvres, il y aurait des simples, comme tu dis, ou je sais pas, il y aurait une balance, on va dire. Peut-être que les gens n'iraient pas jusque-là où ce qu'ils font. Il y en a qui jurent et qui se promettent de devenir quelqu'un et de plus jamais être pauvre, qui est à vendre son âme au diable. Et il y en a beaucoup qui ont vendu leur âme au diable, comme ça. Oui. Parce qu'ils étaient très pauvres. D'accord, mais il y a beaucoup de. Beaucoup de riches aussi vendent leur âme au diable pour être plus riches encore. Ça aussi. Ça aussi. Donc, la plupart ouais. vont dans la même direction. C'est ça. La dunya. Okay. حرمت عليكم المبرات من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم. Mais je ne veux pas aller en enfer. Bravo. حرمت عليكم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض Elle est pas faible. Elle a peur de devenir mendiante dans sa vie. Astaghfirullah. Elle est sale depuis petite vie, jeune fille. 12, 13 ans. Bon, bref, je me tais, ok. Ok. Je dois faire quoi? Ashhadu. Ah oui, la shahada. أشهد أن لا إله إلا الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تأكدوا تميزوا من الغيظ
لا تركبون طبقا عن طبقي، لا تركبون طبقا عن طبقي، لا تركبون طبقا عن طبقا، لا تركبون طبقا عن طبقي، لا تركبون طبقا عن طبقي، لا تركبون طبقا عن طبقا، لا تركبون طبقا عن طبقي، لا تركبون طبقا عن طبقي، لا تركبون طبقا عن طبقي، لا تركبون طبقا عن طبقا، لا تركبون طبقا عن طبقي، لا تركبون طبقا عن طبقي، لا تركبون طبقا عن طبقي، لا تركبون طبقا عن طبقا، لا تركبون طبقا عن طبقي، لا تركبون طبقا عن طبقي، لا تركبون طبقا عن طبقا، لا تركبون طبقا عن طبقي، لا تركبون طبقا عن طبقي، لا تركبون طبقا عن طبقا، لا تركبون طبقا عن طبقي، لا تركبون طبقا عن طبقي، لا تركبون طبقا عن طبقا، لا تركبون طبقا عن طبقي، لا تركبون طبقا عن طبقا، لا تركبون طبقا عن طبقي، لا تركبون طبقا عن طبقا، لا تركبون طبقا عن طبقي، لا تركبون طبقا عن طبقا. Bonjour, bonjour, vous êtes avec vous êtes en Algérie, à Oran, et avec Cheikh Abdraouf et sa capteuse. Vous venez de l'hôtel Atlantis Royal à Dubaï. Désolé et... pour toi, je ne te connais pas. Eh bien, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est l'occasion. Vous venez de l'hôtel Atlantis Royal et tout ça. Je ne te connais pas. C'est très simple. Oui. C'est parce que tu n'as rien pour que je te connaisse. Oui, nous n'évoluons pas dans les mêmes milieux. Haute société. Voilà, on se croise pas. Et je me retrouve dans un corps. Oui. Qui n'a rien à voir avec ça. C'est ça. C'est ça. Et, bon, alors, tu, vraiment, tu nous. Tu, oui. La question est comment tu as fait t'es quoi, t'es un sorcier, quel genre de sorcier? Ah. Comment t'arrives à faire ça? En tout cas, toi, tu es intelligent. On ne m'a jamais appelé. Non. D'accord, ok. On ne nous a jamais appelé comme ça. Alors, avant que je te donne la réponse, comment vous appelle-t-on d'habitude? Oh, on nous prie, on se met à genoux pour nous, on nous demande des choses. Il y en a qui disent, par ta grâce, il y a un mot en arabe, il y en a aussi qui disent en arabe. Oh, je m'appelle. Il y a un mot en arabe. سبحانك يا بدوح يا جمهروش من فضلك أغثنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد فكشفنا عنك يا مولاي يا مولاي سبحان الله يا مولاي J'aime bien ce mot-là. Ouais. Comment j'ai pu l'oublier? Mon seigneur, mon maître. Pas mon seigneur, Yamoulay. Yamoulay, c'est mon maître. Mon maître. Mon maître. Ouais, comme un esclave à son maître. Mon sauveur, mon maître, ça c'est oui. En français. D'accord. Et donc, vous étiez avec des gens super riches. Oui. Et ils vous ont appelé des comme gens ça. Qui ont fait aussi le projet. Ouais. Il y en a qui ont. Dessinés, qui ont fait. Oui, d'accord, oui, qui ont conçu. Conçu, il y a beaucoup d'idées par-ci par-là qui sont regroupées. Oui, ils ont tous collaboré. Il y a beaucoup de créateurs, comme ils disent, beaucoup de. Il y en a beaucoup qui pensent à la chance, protection, pour cacher du mauvais œil ou bien de se cacher des envieux. Du mauvais œil, des envieux, tout ça. Ils y croient même, les non-musulmans. Oui. Tu peux arrêter de taper de l'œil. Oh, celui-là, tapis KO. Ouais, c'est vrai. Et puis, les gens étaient invités de plusieurs pays, de oui, plusieurs oui, nations pour oui. construire. Ah, pour donc, construire, chacun oui. Chacun est venu. Je ne dirais pas tous, il y en a quand même qui sont. Sans propre. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui viennent. Avec leur rituel. Leur rituel, voilà, pour qu'ils aient la chance, pour qu'ils soient choisis. Parce qu'il y a eu quand même aussi des tris. Ils n'ont pas pu prendre tout le monde. Bien sûr, bien sûr. Il fallait voir ils ont sélectionné. Que l'autre. Oui. Donc, dans la sélection, il a fallu qu'il y en a qui s'imposent. Voilà. Et quand on sent qu'on est un peu faible, eh bien, il faut se donner un coup de pouce. C'est ça. Voilà. D'accord. C'est. Je trouve ça très large.
chez les humains, c'est ce qui me plaît. Oui, la diversité. Et c'est la concurrence pour avoir vos services. Dans les plaisirs qu'il y a après, c'est même avant tous ces plaisirs où on donne de l'argent, on donne des pots de vin, ou je sais pas comment dire. Oui, la corruption, les pots de vin. Ou soit en argent, soit en femme, soit en alcool, soit en drogue, soit. Je ne dis pas tous non plus, mais beaucoup. Il y a beaucoup de choses. D'accord. Je n'aime pas la tranquillité, et puis attendre de mourir pour aller au paradis, et de donner. Il y en a qui ont des devises dans leur tête, une façon de penser. Oui. C'est que si ils donnent leur richesse, oui. Après c'est eux qui vont être pauvres. Oui. Donc il faut plutôt écraser les pauvres pour rester riches. Mmh. Effectivement, il y en a qui pensent comme ça. Oui, il y en a beaucoup. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. Ok, merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. Maintenant, je vais. C'est en gros pour te dire que tu te bats pour rien. Tu n'es pas, il n'y en a pas de nombreux comme toi. Oui. Même ceux qui ouvrent leur bouche, ouais. Et qui disent ouais, on devrait faire quelque chose, on devrait parler, on devrait faire, on devrait. Ils attendent que les autres font. Pendant qu'ils ouvrent leur bouche. Voilà. Il y a plus dans le. C'est des beaux parleurs, comme vous dites. C'est... Il y en a beaucoup qui parlent, mais qui ne font rien. Mais par contre, ils accusent, alors qu'eux sont en accusation. Ouais. Mais on a bien étudié les humains. On a eu des pauvres et des riches, mais on a préféré rester chez les riches. Bon, c'est sûr que c'est plus marrant. Ouais, c'est plus marrant. Tant qu'à subir des choses, et subir en beauté. Mais qu'est-ce que vous subissez? Ah ben il y a toujours des sorciers qui forcent ou qui torturent, ou qui il en faut toujours plus. Autant il faut beaucoup d'humains dans le satanisme, autant il faut beaucoup de chiens dans le satanisme. D'accord. Mais vous, en tout cas, vos familles sont en sécurité. Ben maintenant oui. Mais à l'époque, c'était pas gagné. D'accord. En tout cas. Ok. Donc, je vais vous expliquer comment on a fait pour vous amener ici contre votre volonté. Hein? J'avais oublié ça. Oui. Ok. Il faut te concentrer quand même. Oui, je me pose une question quand même. Oui. Je parle trop, mes soucis. Oui. Comment est-ce que tu peux suivre ton bon Dieu qui existe? Oui. Et t'as pas mieux que ça. Ah, c'est toi qui as choisi ce chemin. Tu le demandes à ton créateur, s'il existe, de rester dans cette situation. Ou c'est toi qui trouves comme ça, tu ne lui demandes pas. Parce que si tu lui demandes, c'est une bonne raison d'être en situation. Mais si tu ne lui demandes pas et que tu fais tout pour lui, tu fais ton mieux, c'est toujours faire son mieux. Et pourquoi il ne te donne pas? Parce que pour moi, je vais partir. J'espère ne pas rester avec toi ni avec elle. Non, non, tu ne vas pas rester ici. Alors, écoute, je suis très heureux dans la vie que je mène et je n'ai pas besoin de plus de choses. Et pourtant, on t'accuse à vouloir prendre de l'argent aux autres. Ouais. Je viens de le voir. Quand je fouille, je trouve. Et vous êtes toujours dans la merde. Oui. Ok, elle me dit c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais quand même, je suis là. Et je vois les choses. D'accord. Alors, on revient sur comment on a fait pour vous ramener. Oh, elle dit t'enregistres dans la boîte. Oui. Eh ben, c'est des informations, c'est pas grave. Oui. J'ai pas dit quelque chose de. De compromettant, effectivement. C'est la vérité en plus. Oui. Oh merde, ok. Ok, on repasse à ce que tu veux. Ah, ça veut dire. Ah oui, mais moi, on me verra pas. Mais on t'entend, tu peux dire quelque chose si tu veux. Coco, je ne sais pas si je vais me convertir. On verra bien. Alors, on y va, tu m'écoutes? D'accord, je t'écoute. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وترى الملائكة حافظين. Exactement. Oui. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم حرمت عليكم الميتة تتقدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة تتقدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة تتقدم ولحم الخنزير برأته من الله ورسوله إلى الذين عاهدته من المشركين أول لم يرى الذين كفروا السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وقدمنا الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض On continue. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون طبقا عن طبقا لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون طبقا عن طبقا لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون طبقا عن طبقا لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون طبقا عن طبقا لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون طبقا عن طبقا لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون طبقا عن طبقا لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون طبقا عن طبقا لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون طبقا عن طبقا لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون طبقا عن طبقا لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون طبقا عن طبقا لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون طبقا عن طبقا لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون طبقا عن طبقي لا تركبون وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل Pourquoi elle est habillée comme une sainte vierge? On dirait une sainte vierge. Parce qu'elle aime beaucoup la sainte vierge. Nous aimons beaucoup Marie, fille de la mère de Issa, alayhi salam. Tu perds tes mots. Oui, effectivement. J'espère que tu as une bonne raison de nous avoir fait venir. Ah oui, 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 vous serez certainement satisfait du résultat. Et en plus, elle ne chante pas. Ah, vous êtes avec Beyoncé. On était venus comme les Mouscor. D'accord. Oh non, ça c'est un grand jour. Et que faisiez-vous avec Beyoncé? Vous lui donnez une belle voix. Quand on fait des pactes, on est là. Il y en a plein qui ont fait des pactes avec Satan. D'accord, des artistes, hein. Que ce soit pour... avoir une belle voix ou une plus belle voix parce qu'elle avait déjà une voix. D'accord. Juste en l'aide pour avoir plus de la voix, on va dire. D'accord. Mais elle avait déjà une belle voix. D'accord. Et puis, on l'aide dans sa vie. Et hein, quand on fait le pacte avec les âmes, c'est comme ça. Il y en a beaucoup qui ont donné au niveau des acteurs, des chanteurs, des humoristes. Leurs âmes, mon Dieu. D'accord. Donc vous êtes la descendance d'Iblis ou pas? D'accord. Et d'ailleurs, en général, quand on prend, on commence à prendre de l'âge et qu'à un moment donné, il va falloir se retirer d'une façon ou d'une autre. Oui. Et il faut trouver son successeur. Ah hein. Donc il faut trouver un successeur. Alors la question, elle a trouvé, elle n'a pas trouvé.
Donc, elle n'a pas encore de successeur, si on recherche. En tout cas, parmi ceux des générations qui montent, quand il y en a qui vont, comment dire, parrainer oui. une personne, ils vont faire ses queues et la prendre sous son aile. D'accord. Et donc, c'est que cette personne, ça serait pour être un successeur. Successeur. Elle va être initiée. Pardon. D'accord. Et dites-moi, quand elle donne un concert, par exemple, est-ce que vous avez un effet sur les participants, sur les présents? Oui, puisqu'on est là pour l'aider dans tout. D'accord. Donc vous faites quoi? Il y a eu des sacrifices de faits, il y a des choses faites, il y a beaucoup de choses oui. qui ont été faites. Donc, on l'aide, on a eu et on a toujours ce qu'on veut. Donc, vous faites en sorte que les présents ils soient vraiment aux anges. Mais il y a toujours plus au cœur, parce que beaucoup de chanteurs ou d'acteurs ou d'humoristes ont été pris par un parrainage avant. Oui. Ça peut être un producteur, ça peut être un réalisateur, ça peut être beaucoup de choses oui. Qui ne sont pas eux devant les caméras. D'accord. Mais qui vont entraîner ces gens-là là-dedans, mais une fois qu'ils sont dedans, oui. ils ne peuvent plus ressortir comme ça. D'accord. Donc il y en a beaucoup qui regrettent, mais qui ne peuvent plus rien faire. Ok. Et quand ils veulent faire, il leur arrive beaucoup de problèmes. Ah oui, jusqu'à ce qu'ils se suicident souvent. Ils se suicident ou qu'ils crèvent par un miracle, accident, on ne sait pas comment. D'accord. Donc voilà, le réveil est brutal. Très douloureux. Ouais. Voilà. Et vous êtes la descendance de Bliss ou pas? Il y en a parmi eux. D'accord. Bien, donc je vous explique. Il y a toujours la descendance de Bliss pour murmurer dans les oreilles, pour pousser la personne, la sorcellerie et les djinns qui sont avec. Ouais. Rajoute une couche, les pactes, rajoute couche 3. En fait, il y en a qui ont de tout. Alors, quant à la sorcellerie, tu as les pactes que tu as fait toi-même. Et tu as la descendance d'Iblis. T'es foutu. Ok. Donc, voici pourquoi nous vous avons appelé. Par contre, elle n'a pas fait quelque chose pour qu'elle soit choisie. C'est, dis-moi, directement par eux. C'est ce qu'elle a sur elle et le fait qu'elle s'isole. Les gens intelligents font ça. C'est que quand tu es international, que tu es reconnu et reconnu, tout ce que tu veux. Oui. Quand tu te retires, c'est là qu'on va te courir après. D'accord. Elle a compris le truc et en même temps, elle ne manque pas d'argent. Donc, oui. pourquoi se casser la tête? Donc, voilà. Et là, bam, ça tombe. Et elle va se retirer pour ensuite. Bam, jusqu'à qu'elle ne peut plus chanter. Hein. Donc, jusqu'à c'est pour ça qu'elle n'a pas donné de concert depuis 4 ans. Ça me gêne, ce truc. Hein. C'est pour ça qu'elle n'a pas donné de concert depuis 4 ans. Ah, là, c'est raison. Familiaux, psychologie, il y a beaucoup de choses. Quand on est là-dedans, la psychologie prend un gros coup. Parce qu'ils ont beaucoup de pression, parce qu'ils ne veulent plus être une chose ou une autre. Et quand on signe des contrats de 10 ans, de 5 ans, il faut les subir. Ouais. Parce qu'au début, on voit l'argent, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière l'argent. D'accord. Et les sataniques sont bien, bien, bien devant, ils ont en tête. Les sorciers, là, les sorciers qui font, qu'on va voir pour faire de la sorcellerie, pour faire ci, oh, ils sont derrière. Ils sont petits. Ouais, ils sont petits à côté de cela. D'accord. Et même ceux-là, il y en a qui commencent à apprendre des sataniques pour améliorer leur évoluer. Et se faire. Pour monter en grade. Et puisque chez les Arabes, les musulmans, c'est devenu aussi normal. C'est vous qui se. Qui est jugé alors qu'ils sont bien. Non, je change les vœux. Désolé, je peux pas me taire. Non. D'accord. Bon, bref, voilà. Maintenant, la question est qu'est-ce que je vais gagner avec vous et qui est ce créateur? Alors. Parce que je compte pas changer de vie. On commence par qui est le créateur? Ou qu'est-ce que tu vas gagner d'abord? Ah, les deux sont entrés. Alors, commençons par qui est le créateur.
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض حرمت عليكم والميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم والميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم والميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم والميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم والميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم إني أرى ما لا ترون. إني أخاف الله والله شديد العقاب. إني أرى ما لا ترون. إني أخاف الله والله شديد العقاب. إني أرى ما لا ترون. إني أخاف الله والله شديد العقاب. براءة من الله. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات. Allez, venez, la descendance d'Iblis, on va causer. Aïna ma takounou yatibkoum allahu jamiani, nallaha ala kulli shayin qadir. Elle me demande de lui arranger son truc. Aïna ma takounou yatibkoum allahu jamiani, nallaha ala kulli shayin qadir. Est-ce que vous êtes prêt à écouter Iblis? Il fait partie des premières créatures, il a toujours existé. Oui. Et il a la force entre les mains, il sait. Certes, il n'a pas été appelé comme nous. Oui. Dis-moi, il vient pas, peut-être qu'il est... juste rusé et malin, il ne veut pas. Qui me dit que c'est parce qu'il ne veut pas venir nous sauver? Alors regardez. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَسَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة. برأت من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا. Oui. Les gens de l'église, les anciens, oui. Ceux qui connaissent le livre et le vrai livre, oui. savent que ils ont des livres ont été modifiés, oui. savent que la vérité c'est le Coran, mais ils le cachent parce que, vu que Dieu n'est pas visible et que ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans le monde, du moins Dieu les laisse faire ce qu'ils veulent quelque oui. part, même si à l'enfer au bout du fil, ils ont égaré les gens comme ça. Avec des livres qui ont été modifiés.
Mais eux savent la vérité, les anciens savent la vérité. Je parle des temps du prophète et ça a suivi d'année en année. Il y a eu des successeurs, il y en a qui ne savent pas du tout. Mais ils savent, c'est pour ça que les non-musulmans craignent l'islam, craignent les musulmans, craignent cette religion, ils combattent cette religion à cause de ça. Ils ne veulent pas qu'ils soient au jour alors qu'il y en a beaucoup qui savent que c'est la vérité, mais qui bouchent leurs yeux, leurs oreilles et ferment leurs yeux. Parce que, comme tu dis, ce bas monde oui. a pris le dessus. C'est ça. Voilà. Mais ils disent, les musulmans, on ne peut pas laisser continuer cette religion. En fait, ce n'est pas les Arabes, ils n'en veulent pas aux Arabes, à la religion. S'il n'y a plus de musulmans, ça reste des Arabes, des Américains, des Français, des Anglais, tout ce que vous avez donné à chaque pays. En même temps, il n'y avait pas tous ces noms. Oui. Mais sans l'islam. D'accord. Allez, on va chercher les djinns de tous ceux qui combattent l'islam, ainsi que toutes les stars et les célébrités qui ont vendu leur âme au diable, et ainsi que tous les riches qui sont invités à l'inauguration de l'hôtel. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا لتكد تميز من الغائب لا تركبون طبقا عن طبق 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 لا تركب بون طبقا عن طبق لا تركبون 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 تركبون طبقا عن طبق لا 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 تركبون طبقا عن طبق Alors, je vous explique. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Vous appelez pour me raconter des histoires? Oui? Non, 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 non. Attendez, attendez, vous allez comprendre. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فسبحان Ah, ça serait ton Dieu, le vrai. Il y a le Dieu de l'eau, Dieu du feu, Dieu des ténèbres, le Dieu du ciel. Si tu savais tous les noms qu'il leur donne, de pays en pays, de pratique en pratique, comment vous appelez ça, les traditions, des coutumes, des générations, des adorations. Des religions. Des religions, ouais. Alors, pourquoi c'est mon Dieu, le vrai? Parce que je t'entends bien, j'ai entendu les autres aussi. D'accord. Mais je n'ai jamais vu de preuve. Ok, depuis que je parle, tu ne vois rien. Je crois en moi. D'accord. Et que fais-tu dans la vie? Tu veux vraiment le savoir? Oui. En général, je travaille pour le Dieu des ténèbres. Iblis. Et que je n'y crois pas, parce qu'il s'est nommé Dieu des ténèbres. Il n'y a pas de Dieu des ténèbres. Oui, on dit plutôt chez les humains le prince des ténèbres. Faire semblant d'y croire. Oui, d'accord. Moi, je fais semblant d'y croire. D'accord. Je Iblis, crois hein? Aucun dieu. Oui. C'est parce que il a fait ses preuves, mais c'est, je sais que c'est pas un dieu. D'accord. C'est un djinn comme toi. Mais parlons de lui. Je ne fais pas partie de sa descendance. Oui.
Alors, je ne suis pas comme lui, il n'est pas comme moi. Non, vous êtes des djinns tous les deux. وقال الشيطان لما قضي il a الأمر. plus de puissance, il est fort, il arrive à faire toutes ces choses à distance. Oui, mais moi je suis un humain, toi tu es un djinn. Ouais. Et lui il est un djinn. Ouais. Voilà. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخيكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. On veut une compensation. Vous aurez plus que vous n'en demanderez. Et qu'est-ce qui nous donne la preuve? Qu'est-ce qui nous donne la garantie? وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Oui. ومن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل البراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض Tu m'as pas dit qu'est-ce que tu faisais avant de venir? Oui, à faire quoi? Eh ben, on m'a envoyé sur les humains. Oui. Mais je ne suis pas de sa descendance. Oui. Mais je fais le travail de sa descendance. Ah, pour les égarer. Pour égarer les gens. D'accord. Donc tout à l'heure. En fait, oui. Ceux qui se retiennent, qui, par exemple, dans l'islam, ils n'ont pas le droit de s'approcher des femmes. Oui. Ils vont dire, mais non, non, il s'est caché dans un autre tout ça. Oui. Ah, ou d'oublier. Mais ne chète pas les régimes. Moi, je lui dis, vas-y, n'aie pas peur, il tombe. Et on va pousser. Et il va finir par le faire pour ensuite demander pardon à son créateur. Mais il le fait quand même. D'accord. Il y en a qui vont le faire directement. Mais il y a ceux qui culpabilisent, mais qui l'ont fait quand même. Très et bien. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le refaire. Donc tout à l'heure, vous avez dit, tu as dit qu'il y a eu comme un tremblement de terre dans le monde entier. Ben, ça. En tout cas, au niveau des djinns, ça nous a. Secoué. L'impression que la terre va nous aspirer. Ça a bougé dans tous les sens et on s'est retrouvé ici. D'accord, on va continuer, on va tirer encore ceux qui travaillent pour le diable. On a dit avec les célébrités qui ont vendu leur âme au diable, avec tous les riches qui ont rendez-vous à Dubaï et tous ceux qui travaillent à anéantir l'islam. Et puis la descendance d'Iblis qui est derrière tout ça. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين qui vont être embauchés et qui devront fermer les yeux pour beaucoup de choses. C'est une information. Ah, qui vont travailler à l'hôtel et qui doivent fermer les yeux sur beaucoup de choses. Partout, il y a des choses qui doivent être enterrées. D'accord. Sinon, c'est toi qui vas être enterré. وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا تكاد تميز من الغيظ وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين
وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم. Et qu'est-ce que vous faisiez alors? Nous, on était avec les jeunes, ou les, j'ai envie de dire comme des bébés, les jeunes chanteurs par exemple, avec ceux qui doivent être élus ou choisis dans des émissions, dans des endroits sataniques, c'est des émissions sataniques. Ok, je donnerai pas de nom, mais c'est bon, je suis... Avec des petits jeunes, c'est un dame, quand ils choisissent, il ne faut pas que je donne des informations, mais laisse-moi parler, c'est rien, des choses à l'aveuglette. Souviens-là, c'est dans l'oreille qu'on leur dit celui qui a choisi, comme quoi ils ne les voient pas, ils entendent juste la voix, mais il y en a, dans certains pays, ils ont l'oreillette. Et c'est avec l'oreillette qu'on leur donne des ordres de choisir telle ou telle personne. Parce que les personnes ont été sélectionnées à l'avance. Ils ont eu le temps d'étudier les personnes, de savoir d'où ils viennent, qui ils sont, comment ils sont. Est-ce qu'ils vont suivre le chemin droit, comme ils vont le vouloir. D'accord. C'est pas juste la voie claire qui choisissent les voies. Oui. Mais il faut qu'il y ait des personnalités derrière. Qui peuvent eux contrôler aussi. Personne. Il y a beaucoup qui ont réussi. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la voix, ils auront la voix. Même si après ils ont des pactes parce que justement ils ont choisi pour certains chemins précis. Oui. Et bien ceux-là, ils choisissent comment ils sont. Et puis c'est bien de savoir comment sont les parents, les timides, les gentils, les posés, les calmes. Les... Et comme ça on peut en faire une pâte. Une pâte. Comme vous le parlez. Et c'est pour ça qu'il existe aussi. Mais ça, il y a Satan et il y a les descendants d'Iblis qui ont soufflé les idées aux humains avec leur pacte ou avec leur sorcellerie, avec leur, tout leur truc. Les moins de 18 ans, comme parce que chez eux, la plupart c'est 18 ans, la majorité. Ceux de 7 ans, 8 ans, 6 ans, 10 ans, 11 ans, pour faire après des célébrités. À leur sauce. Et le satanisme rentre la plupart du temps en compte. C'est rarement. Il y en a parmi les gens qui font ça, qui ont des coups de foudre pour une personne. Mais malheureusement, eux-mêmes sont retournés par des sataniques. Donc ça finit toujours sur l'autre côté. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications. Donc maintenant, ils savent comment choisir. Ils savent que les plus jeunes vont pouvoir mieux avancer. Et ceux qui n'arrivent plus à suivre finir en psychiatrie, en suicide. D'accord. Donc voici l'objet de notre réunion. Et moi je suis avec tout ça. Oui. Et moi je suis pas tout seul puisque. Tu as toute ton équipe. Il y en a plusieurs, pas que la mienne. Chaque. Dans beaucoup de pays. Beaucoup de pays, même dans le même pays. Il y en a pas qu'un qui va faire toutes les célébrités. On va rêver non plus. C'est ça. وترى الملائكة. Yeah. J'ai envie de faire plus de djinns que d'humains. Oui, c'est sûr. Donc, on est assez pour tout le monde. Ouais. Voilà. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Pourquoi toute cette inquiétude pour le monde? Pourquoi tout ça? Moi? Ouais.
C'est mon objectif dans la Tu vie. as remarqué que Satan, la descendance d'Iblis, Oui. et les satanismes, tout Oui, ça, oui. font en sorte quand même que la plupart de ceux qui te suivent finissent par lâcher, ou sont dans des pays où tout est réduit, Oui, où ils sont limité. obligés de lâcher. Oui. Autrement, il faudrait aller même dans les pays musulmans. C'est réduit, comme Ouais. ici, comme votre situation. Ouais. Donc, ils ne verront pas les choses comme toi, tu les vois. Ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'il y a tellement de délinquants, tout ça, à cause des sorcelleries aussi, à cause des descendances, à cause de beaucoup de choses. Ouais. Les jeunes se font avoir, ils se font embarquer. Ouais. Ça, ils ne le voient pas. Toi, tu le vois. Ouais. Je suis en train d'étudier en même temps, c'est pour ça Oui, que je vas-y, parle. oui. Donc, ceux qui sont derrière ça, qui ne voient pas, c'est comme un voile devant eux. Ouais. Ils ne peuvent pas comprendre ce que tu fais. D'accord. Et c'est pour ça que, et il y en a qui ont peur de toi. Ouais. Et il y en a qui consultent et qui font des choses qu'ils font pas. Ouais. Donc, comment vont te soutenir ou te sortir de Ouais. ce bazar? D'accord. Il y en a qui sont pour t'aider, mais il y en Ouais. a qui sont pour ton français. D'accord. Ils ne comprendront jamais ton geste ou ta façon de faire. Ouais. Pour eux, c'est de l'arnaque. Ok. Et donc, tu Et veux me donc, dire tu vas quelque chose? continuer quand même. Voilà, je vais continuer quand même. Parce que j'ai un atout. C'est quoi ton atout? وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم Et بالحق. pourquoi tu ne lui demandes pas de vous régler la situation, de régler tout ce qui se passe dans le monde et que ça devienne un monde gentil Mais je suis en train de me battre pour cela. alors? Et pourquoi il faut se battre quand tu fais des choses pour Allah? Ça devrait être récompensé. Pourquoi? والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به En tout cas, pour elle, elle n'est pas à ton stade. Hein. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 وكان حقا علينا نصر إياك داكو وكان حقا علينا نصر المؤمنين او va regarder toutes les zones noires partout où vous pouvez voir regardant toutes les zones noires partout où vous étiez
وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا التأكد تميز من الغيظ. لا تركبن طبقا ظلمات بعضها فوق بعض 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 وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. Bonjour les djinns des ténèbres. Que faisiez-vous dans... Il y a quoi d'autre? Il y a un peu de tout. D'accord. Les djinns un peu dans le monde, ils sont dans les ténèbres pas. Ok. On s'est posé la question, châtiment ou récompense? Récompense. Délivrance. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. S'il existe vraiment, oui, ils vont se convertir. Oui, tout sera pardonné immédiatement. De ceux qui ont fait des pires des choses. Oui, et on va être pardonné immédiatement. Je ne sais même pas ce qu'on a fait, alors je ne vois pas comment tu peux savoir. Si votre corps deviendra blanc, vous allez le voir vous-même. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل براءتكم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء الله النور السماوات والأرض الله النور السماوات والأرض الله النور. Ok, la descendance de Blis qui est derrière toutes ces choses sont venues. Tout ce qu'on connaît. Ok.
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هبا منثورا ينزل عليكم من السماء ما ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون برأته من الله ورسوله إلى الذين عاهدته من المشركين قال إن الصلاة والنسوك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هبا منثورا ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به Allez, tous les humains qui ont fait le pacte avec le diable, on ne laisse personne. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون إنما أمره الله وإذا وقع الله نور السماوات والأرض وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تكاد تميز من الغيظ فقاتلوا أولياء الشيطان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Et voilà, comme vous avez pu voir, c'est un énorme... Il y a énormément de satanisme derrière tout ça. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته